Regardons. Voilà, un protocole. Voilà, libérez devant la scène, s'il vous plaît. Voilà, merci à tous les hommes et les médias présents. Ici au stade général, on s'en a compté de nombreux. Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'intronisation de M. Alcieni Paris. Dites-nous, quels sont vos sentiments par rapport à cela? Écoutez, mes sentiments, c'est d'abord des sentiments de joie de voir que la Guinée aujourd'hui se réunit pour célébrer un homme. La Guinée se réunit dans sa diversité, dans ses multiples couleurs pour célébrer un homme, pour magnifier un homme, surtout pour reconnaître les bienfaits de cet homme. Et ce qui est surtout réconfortant, c'est que nous sommes en train de revenir à, si vous voulez, nous mettons en valeur les fondamentaux de notre nation, l'unité, la puissance dans nos racines pour essayer de développer ce pays. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement que la communauté de la Moyenne-Guinée qui se réunit aujourd'hui, c'est toute la Guinée à travers cette intronisation qui dit merci à cette communauté qui encourage les uns les autres à se retrouver pour dire que la Guinée reste et demeure une seule famille. D'accord. Nous avons constaté qu'il y a plusieurs délégations ici, notamment des personnes venues de partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique ici aussi. Nous voyons qu'il y a une certaine confiance mise en la personne de M. Alcieni. Comment jugez-vous cette confiance-là? Écoutez, indépendamment de l'institution, l'homme incarne réellement la Guinée dans sa diversité. L'homme n'a pas d'ethnie, l'homme n'a pas de frontières. Je parle bien sûr de M. Alcieni Bari. M. Alcieni Bari est présent dans tout ce qui se fait. Il est le premier défenseur aujourd'hui des Guinéens, de l'intérieur comme des Guinéens de l'extérieur. Et on ne peut aujourd'hui que saluer cet acte-là. C'est un signe qui réconforte plus d'un, comme je l'ai dit. Nous saluons pas. Ancien député, ancien ministre de l'Assemblée nationale, président de l'ADP, Association pour le développement de la préfecture de Pita. Je dis, quels sont vos sentiments par rapport à M. Alcieni, par rapport au poste? Mes sentiments sont merveilleux, très satisfaits. Étant membre fondateur de cette coordination de la Guinée, je suis très satisfait du fait que ce qu'on a débuté continue. Continuer à évoluer dans le bon sens. Le doyen avec lequel on a débuté, le premier président qui est Eladji Ibrahim Massiba, il a été présidé par Eladji Sadio Kouya Bari, et après c'est Eladji Ousmane Bala Fatou. Aujourd'hui, par un choix consensuel, on a choisi Eladji Alcieni Bari pour succéder à Eladji Ousmane Bala. Donc, étant fondateur, voyant ce qu'on a fondé évolue dans le bon sens, dans les bonnes conditions, vraiment je suis très satisfait. D'accord. Si M. Alcieni a réussi à gagner le poste qu'il occupe aujourd'hui, c'est parce que tout simplement vous avez été convaincu des ambitions qu'il a brandies devant vous. Vous pouvez entre autres nous citer quelques objectifs que M. Alcieni a proposés. Eladji Alcieni Bari a été choisi parce que c'est une personne que nous avons connue, quelqu'un qui s'aime lui-même. Quand il ne t'aime pas, ce n'est pas facile que tu aimes ton prochain. Quand l'homme n'arrive pas à se satisfaire lui-même, satisfaire ses besoins, il ne pense pas qu'il puisse satisfaire les autres. Faire qu'il se suffit, ce n'est pas pour arnaquer, pas pour escroquer. Il se bat pour le développement de la nation guinéenne en général, et en particulier pour le Fouta, quand l'homme choisit. Vous êtes être un des membres fondateurs de cette coordination-là et vous êtes sûrement mieux placé pour nous parler des objectifs de la coordination à l'Ipoula. Vous pouvez entre autres énumérer ça? Notre objectif principal, c'est pour l'épanouissement social des fils et des fils de Fouta, le tribu de Fouta en particulier, mais en général pour tous les Guinéens. Car il n'y a aucune préfecture qui est propre à une ethnie ou à une communauté. Les peuples qui sont à Lenoma ou à Gawal ou à Labé ou à Pita, c'est tout à Labé, c'est tout à Zérékoré, c'est tout à Yomou,
et tout à Kassa, on est éparpillé un peu partout. Ce qui veut dire nous sommes un Guinéen tout court, qu'un est supérieur à l'autre.